je vais fabriquer le vélo. Oh merde! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé de la prison? Allez, on se retrouve pour une vidéo sortie pêche à l'aimant où j'ai sorti mon obus la dernière fois. À Narbonne, ville emblématique de la civilisation romaine. On reprend l'aimant, on rejette et on voit ce qu'on trouve. Oh merde! Qu'est-ce que tu fais là? J'habite à Narbonne. Eh oui, c'est vrai que tu habites juste au-dessus là. Eh oui. Oh, je suis content de te voir. Ça va? Non. Ça va ou quoi? Bonjour. Ouais. Ah ouais, trop content. Bah, il vient nous rendre visite sur le lieu où on a trouvé l'obus et où on a fait la vidéo ensemble. Je suis vraiment content que tu sois passé. Ça me fait super plaisir. Je suis super content. Tu restes combien de temps avec nous? Ben là, je reprends à 14h. Regarde, tu peux regarder tout ce qu'on a trouvé. C'est juste énorme. Encore? Ouais. Encore, ouais. Ouais, c'est pas possible. Ouais, on fait énormément de trouvailles à Narbonne. Je viens juste de remonter mon aimant. 2 centimes d'euros. Par contre, il aimante extrêmement bien. Putain. 2 centimes. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Mais 2 centimes. On va pouvoir se remonter un vélo, fabriquer un vélo. Je commence avec la roue, une partie du cadre. Ouais. Il vient de jeter son aimant. Mais on a déjà fait tout ça. On a déjà trouvé tout ça. Alors, il y a encore pas mal de merde, hein, mais on a déjà sorti tout ça du canal. Par conséquent, il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et là, j'aimerais vraiment, vraiment faire l'objet insolite. Je rejette. De la merdouille, de beaucoup de limailles. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas envie de finir avec les mains noires comme la dernière fois, parce que j'ai mis un temps infini à enlever la crasse de mes doigts. Et pour protéger mes mains des blessures et des maladies, j'ai pris des gants. Un peu écrasé, mais aimanté, une canette, et encore de la merdouille. Oh, hé ! Ça te dit rien, ça, David? Petite boîte à cigarettes. Ah merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, on l'ouvrira après. Et à mon avis... Oh putain, non, c'est dégueulasse. Écoutez, hein. C'est deg, hein. On continue. Là, j'ai un truc énorme. Comme la dernière vidéo où j'ai sorti la plaque de fer, eh bien là, juste là, cet endroit-là, il y a un truc énormissime. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mon aimant bute dessus. On remonte énormément de choses. Des pièces là où je suis super content, c'est de remonter des pièces. Mais j'aimerais remonter quelque chose vraiment d'insolite. Je ne sais pas si tu vois les bulles. Regarde. C'est vachement lourd. Regarde. C'est extrêmement lourd. Oh putain! Une fourche de vélo et une barre de fer. Par contre, ce qui est nickel, c'est qu'avec la fourche de vélo, comme on a déjà les roues, on va pouvoir fabriquer un vélo. On a trouvé un vélo.
Ah oui, lui aussi, il a une trouvaille, tiens, regarde. Deuxième trouvaille. La deuxième. Là, c'est pareil, un peu moins lourd. Mais c'est lourd. Oh putain, hé, regarde, une deuxième avec le string de Paulette. C'est dégueulasse. La suspension du vélo ? Ah ouais, bah alors moi je trouve le cadre, je trouve la fourche. Et... Ah, c'est le cadenas du vélo, voilà. Eh ben moi une deuxième fourche, donc on va vraiment se fabriquer un vélo. Regarde. J'ai trouvé tout ça comme monnaie dans le canal, d'accord ? Je vais demander à Logan d'aller m'acheter une bière avec ça. Lolo, ouais. Tu veux pas aller m'acheter une bière avec les sous que j'ai trouvés dans le canal ? Combien ? 5, il y a 10 centimes. À peu près 10 centimes. Je peux te ramener un bonbon au tabac si tu veux. Tu veux pas aller me chercher un bonbon au tabac s'il te plaît ? Il veut pas. Mais bon, on a quand même trouvé pas mal de monnaie. Quand même des belles, des moins belles, des pourries. Chose que je comprends pas, c'est que les gens jettent de l'argent. Je comprends pas. Moi, je les ramasse. C'est de l'argent. Et il y a une résistance. Ouais, à mon avis, c'est pas énorme. Je pense pas que ce soit énorme. Mais je sens que il y a une petite résistance. Ah ouais, petite. Une petite barre de fer. C'est énorme tout ce qu'on peut trouver au fond de ce canal, c'est phénoménal. Je viens de relancer les mains et j'ai quelque chose. Oh putain! Oh putain! C'est les clés de la voiture que je les ai retrouvées. Et voilà! Des belles paires de clés. Un verrou de porte. Il est bien dégueulasse. Je veux pas qu'on croise. Ouais, je vais viser le coin. C'est... Oh, bonne merde. C'est vraiment, vraiment sympa parce que... Avec le temps magnifique, on est en plein hiver, il fait 17 degrés, c'est juste énormissime. De passer un aussi bon moment. Putain, j'ai un truc. De passer un aussi bon moment au bord de du canal, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, je pense que j'ai quelque chose. Ah ouais. Oh! Oh, le paquet de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un anneau, c'est pour les jantes de voiture. De la merdouille. Oh, une paire de menottes. Regarde ça, Lolo, la trouvaille de la vidéo, quoi. C'est vrai? Une paire de menottes, ouais. Je sais pas si c'est des vrais ou...
Oh des putain, ah oui, bah vu la chaîne qui est autour, c'est des vrais. Ouais, je pense que c'est des vrais. Hein. C'est un mec qui s'est évadé de la police. Ça fait longtemps qu'elles sont là. Elles sont cramées. Putain, c'est des vrais. Hein. C'est énorme. Est-ce que c'est des vrais ou des fausses? C'est des vrais. Ça n'a rien à voir la avec chaîne, les ouais. menottes roses que j'avais la dernière fois. Hein. C'est ouf, ça. Bon, bah on continue. Hein. Et d'après vous, à quoi ça a pu servir? Du moins, les menottes, je sais à quoi elles ont servi. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire au fond du canal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé de la prison? Et est-ce que la police a perdu ça dans le canal? Je ne sais absolument pas. Mais on dirait des vraies menottes de... On dirait des vraies menottes de police. Elles sont pas là depuis hier. Mais on dirait des vraies. Hein. Tu jettes où tu veux. Bah, c'est crado au fond. Hein. Moi je vais rien avoir avec la chance que j'ai. Bah quand même, pars pas défaitiste. Je t'ai dit, des fois, faut jeter plusieurs fois pour remonter quelque chose. Pardon ? Il est tout léger. Regarde, t'as trouvé quelque chose ? Une capsule ? Et encore une capsule temporelle. Tu te plaignais que t'avais pas de capsule et là. Ouais, voilà, tu vois, tu te plaignais que tu faisais pas de trouvaille. Bah t'as fait une trouvaille. Fais voir l'autre côté, parce qu'il aimante de l'autre côté aussi. Et de la merde, voilà. Ah, tu vas où comme ça? Je vais fabriquer le vélo. J'ai dit qu'on avait trouvé de quoi se fabriquer un vélo, donc on va se fabriquer un vélo. Ah non, ah mais t'as tout trouvé quoi. Ouais. La petite roulette à l'arrière pour pas tomber. Attends, regarde, on l'a pas filmé ça. Mais j'ai même trouvé la clochette qui va sur le guidon. Donc ce sera ça le guidon. La clochette, regarde. On a le cadre. Et on renforce le cadre quand même. Parce que peur de tomber en vélo. Et on a... tiens, ben regarde, ça va servir de... pour la roue arrière. Et ça, c'est l'amortisseur. Ah oui. Amortisseur pour la roue arrière. Attends, on va le monter comme ça. La roue arrière, elle est là. Non, ça, c'est la petite roulette, non? Ouais, ben, on l'utilisera ouais. pour faire la roue du vélo. Et ouais, on est pas mal, là. Il faut trouver le pédalier, maintenant, et il faut trouver une roue avant. Mais on a fabriqué un vélo. Regarde. Ah ouais, attends, mais vu de cet angle-là, on n'avait pas bien remarqué. Voilà, tu vois, on a fabriqué un vélo. Ouais. C'est pas mal, hein? Eh ouais. Bon, bah, on laisse la voiture ici, on rentre avec ça? On rentre en vélo, ouais. On rentre en vélo. Ou non, tu rentres en vélo et Marina et moi, on rentre en voiture. Ouais. Bon, allez, vidéo détection terminée. On a sorti de quoi fabriquer un vélo. On a sorti des monnaies. On a sorti énormément de merdouilles. Je suis vraiment content d'être retourné à Narbonne pour pouvoir repartir avec mon cadeau, mon vélo. J'en souhaitais un à Noël. Et ben voilà, j'ai mon vélo. Un peu pourri, mais voilà, j'ai mon vélo. Allez, le gros pouce bleu pour la vidéo. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche si tu veux voir d'autres vidéos. Et n'hésitez surtout pas d'aller faire un tour sur sa chaîne. À bientôt. Ciao.